porteur de ce flambeau. Nous, il est le père de la nation, le visionnaire. Je suis le fils porteur et attitré de cette vision de la transformation du Congo à travers Bongwana Ya Congo. Et donc, je remercie toute la population de Madimba qui m'a accompagné ici. Je remercie toutes les autorités locales, administratives, toutes les autorités coutumières, les autorités des églises qui nous ont reçus ici. Je cite l'église Écuse. Je remercie la famille, ma propre famille, mes amis, mes compagnons de Mbongwana Ya Congo. Nous avons des projets de développement pour lesquels nous avons déjà mobilisé des ressources. C'est des projets du chef de l'État. Nous allons les commencer ici pour que nos pays, nos villages qui sont dépeuplés, redeviennent peuplés. Les jeunes reviennent faire cultiver la terre avec tous les équipements modernes, transformer leur village avec des unités de transformation et que la vie revienne dans nos milieux. Quand je regarde, je ne vois plus de maisons ici. Nous allons rebâtir un Congo nouveau. Et ce Congo nouveau doit commencer à la base, dans nos villages, dans nos secteurs, dans nos districts, partout, dans nos villes, dans nos communautés. Et voilà donc. Là, je vous dis une chose. C'est un nouveau vent qui souffle sur le Congo, la République démocratique du Congo. Ce vent a pris son cours. C'est un nouveau leadership. Je me